Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live Réflexion. Réflexion, c'est une tranche de Contact Pro Live, comme vous savez. Je suis encore aujourd'hui très ravi d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons encore réfléchir pour notre chère République démocratique du Congo. Vous allez vraiment m'excuser pour ce temps d'absence que vous constatez que nous ne sommes plus réguliers comme nous étions avant. La dernière émission que nous avions faite, c'était le 4. Aujourd'hui, nous sommes presque le 12. Ça fait presque 10 jours que nous n'avons pas produit. Pourquoi cela? Je crois que je vous l'avais expliqué dans l'émission passée. C'est justement à cause de cette inconstance de l'actualité. Il y en a tellement. L'actualité, elle bascule de gauche à droite. Et il y a des sujets qui ne veulent pas partir. Et ces sujets donnent une matière à réflexion. Où va le pays? On se pose la question. Bandekoto, Telemelika Kaplas Moko. Le pays n'avance pas. Ni du côté de l'opposition, ni du côté de ceux qui sont au pouvoir. Nous pensons qu'il y a quelque chose qui ne va pas au sein de la République démocratique du Congo. De l'autre côté, à l'est de la République démocratique du Congo, c'est stagnant. Entre-temps, la guerre avance, les tueries continuent, les catastrophes naturelles continuent, et il est difficile, en tout cas pour Nangaï, nazo position moko ya kolobela ou bien to sala kaboe poto to kendewe. Parce que beaucoup d'entre vous me posez souvent des questions très pertinentes que je me pose la question, est-ce que Bokanisi Kenga naza acteur politique? Vous êtes beaucoup à me poser la question. C'est ainsi qu'à un certain moment, je me dis, ok, Nati Kanam, on va parler de quoi finalement? Et lorsque nous décidons de venir auprès de vous, c'est venir avec des réflexions que nous pensons que sont constructives. Nous ne venons pas ici passer notre temps parce qu'il faut que nous parlions. Non. Nous venons lorsque nous pensons que ce que nous allons dire a un sens et qui peut aider ceux qui nous dirigent maintenant. Vous voyez dans quelle situation nous sommes aujourd'hui. On se dit finalement, est-ce que les politiques congolais sont en train de réfléchir? Est-ce que la population est-elle à la même page avec ses dirigeants? Est-ce que le pays est normal? Sommes-nous encore normal? Comment nous pouvons laisser passer les choses qui se passent à l'est, à Ituri, par-ci, par-là, l'insécurité, les catastrophes naturelles, et penser à aller demander au peuple congolais que nous irons changer cette constitution? Où est notre priorité? Voilà la question qu'on va se poser ce soir, ou ce jour d'aujourd'hui, que vous aviez lu dans le titre de cette émission. Où est notre priorité? Le Congo va où? Où se trouve la solution de ce pays? Se trouve-t-elle dans les mains des opposants? Se trouve-t-elle dans les mains de ceux qui ont pris les armes? Se trouve-t-elle dans la population qui ne comprend absolument rien? Nous sommes balayotés de gauche à droite. Tantôt, nous pensons que non, les choses marchent bien. Nous pouvons aller dans les meetings, nous pouvons aller lancer, disons, les réunions de parlement. On peut, tout marche à Kinshasa. À Kinshasa, tout semble être bon. Mais à l'est de la République démocratique, pendant qu'on est en train de tuer, pendant que la guerre avance, pendant que les catastrophes naturelles sont là et sans solution. Voilà. J'espère que vous aviez compris le sujet que nous allons développer ce matin. Et nous allons d'abord aller prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet, dans les journaux. Et puis nous allons revenir pour développer notre sujet. Qui est, où est-ce que nous allons? C'est quoi notre priorité en République démocratique du Congo? Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com.
Politique RDC, le ministre Alexis Guissard au sommet de démissionner. État généraux de la justice, fin des travaux des ateliers en commission. Voici les principales propositions. Et puis, pour terminer avec élections-.com, les nouvelles sanctions qui frappent à la DGRK. On va sur actualité.cd. Contre toute attente, le festival Amani réautorisé, mais nécessite une nouvelle planification. Au Ouélé, deux détenus de la prison centrale de Dougou profitent de leurs soins à l'hôpital pour s'évader. Commission parlementaire gouvernementale INAP vers une feuille de route pour une administration moderne, juste et efficace. Congo profond, résultat de la première journée de la Coupe du Congo de handball, les Aigles battent Dragon, Mikishi domine GS Kikwit et Mazembe triomphe contre Police. Nécrologie, inhumation ce vendredi de l'ingénieur Melchior Ngembwe Kankonde à la nécropole entre ciel et terre. Des questions orales, plaidoyer budgétaire, une opportunité pour Alexis Guissard face aux défis infrastructuraux de notre pays. 7 sur 7. Un POX, la RDC dépasse la barre de 1130 morts depuis le début de l'année 2024. Ça, c'est le docteur Kamba qui parle. Et puis, l'IGF appuiera le ministère de l'Emploi dans le contrôle des conditions de travail des Congolais auprès des expatriés. Et nouveau programme RDC-FMI, cet accord renforce la capacité du pays à répondre aux besoins de la population. Ça, c'est Doudou Fouamba qui parle. On va terminer par Radio Okapi. Le budget 2025 alloue un peu de 13% de fonds de secteur de la défense, sécurité et justice. Kinshasa, mobilisation des acteurs pour l'élimination du cancer de col de l'utérus. Kinshasa, les agents du ministère des Affaires étrangères en grève. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Merci, merci encore une fois de plus pour vous, pour votre fidélité. Merci pour ceux qui sont en train de venir et s'abonner. Moutoualandinga kambala moko à s'abonner. Ezo pesanga et sengo bande konangai. Ta on a zota la statistique et andenge tozo kende. Nous ne sommes pas biso tozana biso média d'élite. C'est ce que je voudrais encore expliquer aux gens qui me posent la question que nous n'avançons pas. Qu'est-ce que KPI na ezali ndenge nini tout ça. Moi je dis même si à Taboza 5 personnes ont comprendre et que vous pouvez commencer à interagir avec moi, c'est bon pour moi. Et par là je profite à la même occasion na pesambote na batu oyo balanda kabiso les nos abonnés qui sont à Kalemi et ceux qui sont à Bunia et ceux qui sont à Isiro na batu oyo ba koti na Kinshasa boza moi belé. Vraiment merci beaucoup pour cette fidélité, surtout nos amis de Kalemi. Il ne se passe des jours que quelqu'un de Kalemi m'appelle. Je ne sais pas, na kota na mitema na bango vraiment mingi. Bo panza misminani oyo, émission oyo, vous le partagez, puis ça sera très bien pour que vous puissiez faire adhérer aussi tout le monde dans cette idée de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Alors, notre priorité est où? Priorité na biso ezali wapi? Na mboka na biso na moma otozali. C'est ça la réflexion que nous voulons aller, dans lequel nous voulons aller aujourd'hui, pour essayer un peu de comprendre bakambi na biso bazo tindika biso wapi, où est-ce que nous allons. Alors ici, Fachi s'entend sa mort très proche, il commence à faire comme si tout va bien. Il n'y a plus d'urgence en République démocratique du Congo. Donc les choses peuvent aller de cette manière, donc la manière na ndenge zo kendele et que nenango ndenge wana problème ezalite tokota la place esuki. Donc batuba kufa na est, batuba baba que les gens commencent à crier ou quoi que ce soit, ça ne les regarde pas.
il fait ses travaux, son travail comme d'habitude, azo réunir ce qui banani nae, tout ça. Donc, it's meeting as usual. Nous n'avons pas aucune urgence à ce moment. Le Parlement ne traite que Parlement et Zosala Nangoma Kamunangona Nengena, na rythme na bango. Et dans la population, ce que nous sentons aujourd'hui qui préoccupe et l'opposition, c'est cette idée-là du changement de la Constitution. Nakendena nous, na côté à pouvoir, tout réfléchir na nous, bisomoko awa. Nandenge ke batu bazana pouvoir, bazo kamamboka. Bon, on a placé toutes les institutions. C'est maintenant là, tous aussi dit ça, année à Sika Oyo, année à première année, na ya deuxième mandat. Déjà donc, en principe, l'année prochaine, et comme parlement kosilisa kosa la budget nango, nazana côté à Est, le budget va être là et tout ça. Donc, à partir de 2025, nous pensons que toutes les machines seront là pour carburer, pour que le travail continue. Est-ce que c'est à ce moment-ci où les gens profitent pour voler l'argent, pour détourner ou quoi que ce soit? Parce que en fait, nous sommes en fin budget de 2023-2024. Nous sommes en fin budget. Y a-t-il eu de l'argent au Tikalaki, naba budget nabango? Ça, on ne dit pas aux gens. Mais entre-temps, nous constatons une certaine cacophonie na katiaba ministère. Pas tantôt, on dit que non. Les gens vont aller à retraite. Tantôt, on a engagé 1600. Tantôt, ceci. On ne comprend pas finalement. Est-ce que nos dirigeants maîtrisent bien ce qu'ils sont en train de faire? Et là, la réponse que moi, je peux donner ici, c'est non. Parce que beaucoup d'entre vous, vous m'aviez dit, mais finalement, est-ce que Toza qu'on résoudre le problème à guerre na Est? Est-ce que Toza qu'on résoudre le problème à implémentation à l'institution? Parce que quelque part, vous allez encore entendre que non, au mois de janvier, Fatshi, ça ce sont des rumeurs qui continuent à venir, Fatshi va faire un remaniement. On se pose la question, après que peut-être 100 jours, 3 mois tout simplement, 4 mois, nous n'avons pas quitté pour le gouvernement. Déjà, remaniement. Est-ce que nous savons ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que nous savons, nous travaillons sur un programme que nous nous sommes définis? Moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Il y a que le bateau change le bateau. Tant qu'il n'y a pas de temps, il y a bon, dans le pays, c'est la stabilité qui... Donc, c'est comme si vous ne faites pas confiance à vos collègues, à vos ministres. Et c'est ça la cacophonie qui continue à régner, où les gens, on se pose la question, est-ce que Bazan a un programme Nini? Est-ce que c'est le programme des 145 territoires qui est en train d'être mis en place? Est-ce que c'est le programme Chile-Gelou? Et nous sommes dans une cacophonie et on reste là à parloter, à sponsoriser des meetings, à aller participer dans les réunions et tout ça. Mais sur le terrain, rien n'avance. Et là, qu'ils ont avancé, qu'est-ce qui nous dira que les histoires avancent? Nous sommes dit, quels sont les problèmes qui sont prioritaires dans le gouvernement Oyo? Oyo, le bakeno, baloba qui n'a dit que banda tongo, ti midi, bakosa la boe. Na 14h tangu tokoyabo tomo na keno, effectivement ils ont fait quelque chose. Vous allez constater que même ba catastrophe naturelle ezakoya ebele ebele, ce qui se passait à Bukavu, c'est vraiment déplorable. Et tozo kende nenge wana sans que tout nous puissions réfléchir 2025 kozala ndenge nini. Peut-être ne ba lobaka keno après budget na parlement. Moi, je crois que le ministère du Plan aussi pouvait commencer à dire que non, voici ce que nous nous sommes fixés comme objectif en 2025, comme objectif, comment on dit ça, à court terme. Qu'est-ce que nous allons réaliser à court terme? Que nous ne puissions pas être surpris par le temps comme nous faisons. Tosombi avion moko sans programme, on ne sait pas l'argent vient d'où, on ne sait pas. Na compagnie on va sombeli avion, est-ce que ça a été réorganisé? Donc tokoma ko sala babilo ko mo kaka pour na ko satisfaire
baba conjoncture, comme on dit. Et j'ai été content lorsque j'ai suivi encore cette émission. Yambatana, Njolina, professeur Mabaka, je crois. Ça nous a édifié. C'est depuis 3 ans. Regardez que cette émission a passé 3 ans, mais elle est toujours d'actualité. Pourquoi? Parce que nous revenons aux choses que nous avions dit en 2019, que nous avions négligées. Yangwana Petoza Kolobela Awaboué. Na situation, oyo, nous ne prenons aucune leçon. Laissons mon côté Tozozoa Keno, Touroyo, Tosalaboué. On retombe encore dans ce que Kabila a été, Likambo a modifié la constitution. On commence à penser à conserver le pouvoir. Ce qui nous préoccupe, que de travailler pour que Tobongi Samboka. Donc, Bissot Awa na Congo, et ce qui nous préoccupe, Bissot, c'est la conservation du pouvoir. Est-ce que le pouvoir est autre retenir en haut? Mais comment nous allons retenir ce pouvoir-là pendant que nous ne travaillons pas, pendant que le peuple ne constate pas qu'il y a un certain changement? Papi, il faut que les kakabiso na mutu, population to banda koyeba, finalement. Tantôt, biloko na biso koma nini. Ce qui te dit que non, Fifi Masuka salibo. Oh, Fifi Masuka, voici Fetchi Beton, l'élève. Qu'est-ce qui se passe à Mbandaka? Qu'est-ce qui se passe à l'Équateur? Qu'est-ce qui se passe dans le Congo? Le pays, c'est un tout. Le pays, c'est un tout. Ce qui dérange ici doit déranger tout le monde. Ce qui réjouit tous, ce qui est au Lualaba doit réjouir tout le monde. Mais qui en bénéficie? Parce que nous sommes topanzana. Et yangona, tokomaka kako dirige mboka na ba émotion. C'est ce que moi je pense. On pense que non, toko kikoza la fachi beton, et puis le pays va se diriger lui-même. Nous devons travailler. Alors, quelle est l'actualité aujourd'hui? Oyo, Bazolo Belakeno, il faut qu'on change la constitution et programme Yamboka et Zakomon Analysusute. Batunyo, surtout Bazo Kipe Susute Makambo, Conseil des ministres Baloba Kinini, qu'est-ce qui se passe pour la semaine prochaine? Président Mobeko Nini, Ango Basabazui, Basali, tout ça, justice Batunyo. Non. Les lois et Komikaka. Nous avons dit non à la révision de la Constitution. Effectivement, on peut s'exprimer. C'est un danger. Bah, opposant, bah, zoueli ango déjà avant, bah, l'obité, to bandango déjà les loyo, to tcha molunge, parce que, ce qui to tcha molunge te, type oyo, ce qui tozo kota 2025, awa, nenge aloba ki peut-être ako, qui ne sait pas déjà que, nenge to ye baka patou, nabatou oyo, et goza la kaka abrada kabra kaka, bah, ko beng se lo, ko moko boye, neti ensemble à Batuo, on va réfléchir pour la constitution. Et puis, il y a des gens qui ont été en 2025, on a déjà même demandé à la CENI de préparer le référendum pour que la constitution soit déjà tous les gens qui ont été en 2026-2027. Parce qu'on sent que ce mandat ici a échoué. Deuxième mandat autobani Nangomabe, sans même l'air de se donner le temps à Koloba. Comment est-ce que nous pouvons faire? C'est là le problème. Nous ne réfléchissons pas sur le travail, sur comment faire pour redresser la situation. Non. Bakonzinabiso bazo réfléchir Nangote. Est-ce que nous avions maîtrisé budget Nabiso l'année passée? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Est-ce que nous pouvons évaluer les travaux de 100 jours et corriger là où les travaux de 100 jours avec Ezala qui peut bientôt réaliser? Ici, je parle par exemple, nous sommes pleins. Que non, Bukangalonzo, Batwai Bambongo, mais c'était un bon projet. C'était un bon projet. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour corriger ça? Et le gouvernement ne réfléchit pas de cette façon-là. Projet à 145 territoires. Quel a été vraiment Babiloko Oyo et Mankaki pour que visibilité dans le territoire et monana? Où est-ce que nous avions failli pour corriger, pour 2025 Oyo, qu'on puisse ne fût-ce que
continuer à réaliser ce que nous avons commencé. Vous allez voir que les Kamboa projet 145 territoires, comment Kobosa Nango, et Bambongo, Kenda Nengwana, et Tali Soubangote. On va parler ça sur les négatifs. On va le mettre sur les négatifs de Tshisekedi. Alors je me pose la question. Fachi Azak, nani Angwaza pour que Fachi a réussi un jour. Est-ce que nous pouvons aller avec des projets cosmétiques comme ça? Oh non, Arena, il faut laisser quelque chose comme Arena. Pour que Bandi Ango, comme Ango Krana va frapper. C'est ça le problème qui me fait mal. Et lorsque je regarde ça, je me dis que non, nous ne sommes pas en train d'aider le président, pas Félix, mais la présidence de la République comme institution. Nous sommes pratiquement à côté de la plaque. 2028 est qu'on surprendre Bissot en train toujours de tâtonner comme ça. Tosili Sili Kamboa STT, Tosili Sili Kamboa projet 145 territoires, qui était comme un projet phare, Ototiki Kaboui. On ne sait pas évaluer Yango. Non, donc, Tobanda Kaeloko, Totika Angonanzela. Tobanda Kaeloko, Boe, Totika Angonanzela. Oh, bon, ok, Tokotal Angon, Likambwana Sima. Ça va être mis dans les tiroirs, Mbongo, et c'est combien d'argent est sorti dans Likambwa projet à 145 territoires? Likambwa Arena, Batouba Bandi Angon a évité, Batoune Batouazana Kinshasa, peut-être on va l'inaugurer quelques temps après. Mais le problème, c'est quoi? Nous pouvons faire des institutions comme ça, mais Tala, et là, comment on infrastructure à Nengwana, après 6 mois, Okoyako Koutango et commune. Pourquoi? Parce que nous faisons les choses que nous ne réfléchissons pas. Bandeko, Awa, nous vivons dans des pays étrangers ici, Awa, en Afrique du Sud, pour ceux qui continuent toujours à poser question aux Aliwa, pièce qu'on a en Congo, tout ça. Non. Je vis en Afrique du Sud, à Johannesburg. Nous avons vu le gouvernement qui entreprend un projet ici. Na lobaka projet Mokoto Loba, Oe Bandaki na 2008. Le projet qui a été phare, projet à Gautrain, le train à grande vitesse. Aujourd'hui, ça va faire plus de 14 ans. Projet wana basala ki ango phase nango ya liboso et ran pendant 14 ans. Parce que c'est depuis 2008 et sili na 2010 en 2000, donc aujourd'hui nous sommes en 2024, c'est pratiquement 12 ans, 14 ans. Bazo kotisa sikoyo deuxième phase nango. Train wana il faut kindaka Durban, il faut kindaka Cape Town, il faut kindaka Port Elizabeth. Tant que vous lancez, vous allez maintenir. Entre-temps, le train Oyo ya Kala. Je crois que vous aviez vu les Kamboana, il y a train Oyo ya Nani, il y a Oyo, il y a Bilokos, le service national. Bien que ça va nous aider, mais il y a Bilokos, nous ne méritons pas ça. Donc, je pourrais, c'était dans le cadre de vous dire que le gouvernement, même s'il n'est pas parfait, il faut travailler dans la direction de Mokobo et Bazo Kendel. Il y a des choses, il y a une opération, comme on dit. Il y a un programme. Il faut passer le sac au Kosoboé. Dans le département, nous sommes à Home Affairs, à Batunio, surtout à Bazo Mona. Quels sont les changements? Nous voyons comment le pays est en train d'entrer dans la digitalisation presque complète. Tu peux être à la maison et tu vas travailler en Afrique du Sud. Pratiquement, on en a besoin au Kindaka naba bureau à l'État. Tout se passe sur le digital. Mais qu'est-ce que nous faisons? Pendant ce temps-là, nous sommes encore en train de nous battre. Nanya Zolia Mbongo, Nanya Ibi Mbongo Ebele, Nanya Ibi Bamilio Ebele. Regardez la légèreté avec laquelle Nicolas Kazadi nous a montré cette légèreté. Oyo yakokandaka et pas Mokonzi. C'est comme si Fachi et tout. C'est ça l'image que ça nous a donné, Bande Konangaï. Même si le président est le garant du bon fonctionnement des institutions, il ne peut pas être là en train de téléphoner. Il y a un plan de travail.
Oh non, kokende tezela na kende na sirsa na zongela na kozongela yo tous. Moi je me suis dit mais c'est quoi ça ce pays? Tout ça c'est dans le cadre où nous réfléchissons où est-ce que nous sommes en train de partir? Où est notre priorité bandeko? Priorité na biso ezali wapi? Côté à gouvernement ngwana na lobeli, nous ne comprenons pas priorité à gouvernement ezali wapi? Na mboka na biso. Est-ce que ezali na kotonga ba infrastructure pour générer misala? Ou bien zali kokota la priorité zali nanu kobunda po na koyeba moyen ni toko conserver pouvoir na biso ti libela libela na makambo ya constitution. Nous ne pouvons pas changer la constitution comme dirait le professeur Njoli sans que nous puissions évaluer tant ou tozo kende na likambo ya koloba oh bon OK changement à constitution changement à constitution. Quelles sont les failles que le gouvernement ou bien la présidence de la... Zalina nanani na qui a le prérogative de demander un changement ou bien une révision constitutionnelle. Quels sont les articles, quels sont les points qu'il est en train de pouvoir donner parce que la constitution lui donne raison. Constitution ça qu'on permettrait que non akoko luka moyen à quoi amender certains articles qui a problème. Jusque là aujourd'hui Fachi et Mokona doit comprendre te likamuni na waza na kati. C'est comme ça que j'ai dit qu'il n'a pas priorité une priorité à ebi place à zokendete. Qui sait où est-ce qu'il est en train de partir? Est-ce que c'est le changement de la constitution qui fera ce que va résoudre le problème conjoncturel? C'est-à-dire que est-ce que ceux qui ont changé constitution la situation y a pas peuple congolais qui a changé? Ce sont là les questions que nous devrions nous poser. Moi, je me pose la question. Si Fachi lui-même, avant d'Akaza, comme il posait la question, ou bien Aza, comme il tourne à l'objet, mais finalement,
tozo kende wapi. Ane passé, qu'est-ce que nous avons fait? Et lo koni nango to sala ki o ebe esimbite. Mboka o tozo dirige ango ndenge nini. Ce qui se disent, vraiment, bon, moi je me pose la question et puis je ne suis pas le seul parce que si j'ai autant on a ça qu'on prépare ango, et ça là qui parce que batu belé bazo tout nanga, qu'est-ce que vous pensez 2025 ango, ezo kende, to zala ka na fachi. Est-ce que ça a siri si likambwa gera est ta komi nango wapi? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question, mais réfléchissons ensemble. Mais c'est comme si on a relégué l'ikambo à peine à Est au calendre grec. Makambango toko résoudre ango na niveau international. On m'apprendra. Je suppose que c'est au conditionnel que je voudrais mettre cette histoire-là. Parce que à tout côté, na, côté à sujet, il y a guerre à Est. On m'apprend que non, on va peut-être avoir un tête-à-tête, comme on a commencé avec le ministère des Affaires étrangères, loin d'Apeba Sengi Keno, Tshisekedi Asololana M23. Parce que Rwanda Zoloba Keno, biso problème na biso tout ça, militaire, t'es. Même si les États-Unis demandent au Rwanda d'enlever ces militaires, quels sont ces militaires-là? Vous les aviez identifiés? Ba militaire ni no balati so koto Rwanda ke bazana nanan. Tout ça ce sont des soupçons et les soupçons vont rester comme ça, on va dire que non. Ba lobi bobolongwa, ba lobi bolongwa. Entre-temps, le M23, le AFC est en train de se dire que non, mais c'est toujours formé ba militaire. Est-ce que vous savez ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Le gouvernement ne sait pas. Même si ba instructeur oya ba rwandais ne mutu bazako entraîner ba na wana msusu, il y a une grande partie de la population oyo ba adhérer na si na nani ya nanga, parce que ils se disent finalement que non, to komi wapi bande konangai, où est-ce que nous sommes en train de partir? Makambu chilombazo me mabiso wapi? Ils ne veulent pas asubatuba sorola. Il a dit que c'était des terroristes pendant que l'international bazot indiqué barbi kende bosol la bana bande kona okuna. Voilà là où nous en sommes. Mais maintenant nous posons la question. Tozo kende wapi? Où est-ce que nous allons avec la guerre à l'est? Sommes-nous capables de chasser le M23 militairement? Sommes-nous capables de s'asseoir avec Nanga sur un même de convoquer une certaine réunion en disant que non, bon, ok, toyo kana. Parce que ça risque encore une fois de plus, ya kokende na eloko toza ko éviter, ba mixage na ba nini na ba biloko nyoso tout. Pourquoi encore une fois de plus? Parce que nous ne maîtrisons même pas l'effectif des militaires de ces naibite. Sauf que parce que M23 kuna bazolo ba keno bazana ba rwandais, tout ça. Effectif des militaires na bango mokonde moutoubaebi. Le phare de ces, ici nous ne maîtrisons même pas, le gouvernement congolais ne maîtrise même pas son armée. Il ne maîtrise pas l'armée, parce qu'au Koyoka, tantôt nous sommes 50 000 militaires, et on n'a pas un chiffre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît le nombre de militaires qui sont en opération là-bas. Parce que tantôt, ce sont les Wazalendo qui sont en train de se battre avec le M23, donc, tozo kende wapi. C'est où notre destination? Où sommes-nous? Qu'est-ce que nous faisons pour que nous puissions dire qu'à un certain moment, nous pouvons évaluer? Est-ce que le gouvernement peut évaluer son action? Banda Mikolo Oyo, ba territoire Ezako, ça fait deux ans maintenant. Les territoires sont en train de tomber. Est-ce que le gouvernement ne peut pas se mettre d'abord un peu, comme disait Kamer en disant, Tosito Lembi n'a qu'à prolonger l'état de siège Oyo? Est-ce que le gouvernement ne peut pas se dire nous sommes fatigués avec cette histoire-là de guerre à l'Est? Mettons une pause pour que nous puissions voir exactement où est-ce que nous sommes en train de partir. Qu'est-ce que nous avions fait qui n'a pas marché, que nous pouvons changer pour que les choses marchent? Et si nous n'arrivons pas,
à nous mettre d'accord. Quelle est la solution? Avons-nous une armée? Est-ce que nous pouvons être capables de finir cette guerre militairement? C'est ça les questions là que nous pouvons nous poser. Et comment est-ce que nous pouvons nous y prendre? Est-ce qu'il y a une certaine réflexion? Nous avions suivi au Parlement qu'ils avaient dit nous ne pouvons pas toujours continuellement à prolonger. Et les choses qui m'écœurent parfois, lorsque nous suivons le débat au Parlement, vous allez voir quelqu'un, il vient, il critique. Par exemple, je vais donner un exemple, Nalikambo Abidje Awa. Ça, c'est une parenthèse que je voudrais, parce que ça a prévu que na, ça l'a bindo condensé dans Katia réaction sur ce qui se passe au Parlement. Vous allez voir quelqu'un qui contredit. A petit discours naya koloba boye biso wa boye biso to boite ceci n'a pas été pris en compte, mais finalement en fait de compte il dit je supporte ce budget là. Mais na nous na monite mutalo bi tema kambo budget na ko ko le 45 likambo boye ABCD et salema peut-être na ECOFIN tant ba kozala ko tala ba makambo susu. Ne va pas inclure tout ce que les députés avaient donné comme objection et pour proposer maintenant au gouvernement. Peut-être, moi, je ne sais pas. N'a évité procédure ni n'ango pas ça. Mais ce que je déplore, c'est que il y a des contradictions. Tant que mino boza kolobali kambo est bolembi n'ango, le gouvernement n'a jamais pendant les 15 jours que vous qui sont donnés pour renouveler. Est-ce que vous aviez demandé au gouvernement des comptes sur l'état de siège? Qu'est-ce qui a été fait? On ne pose pas la question. Likamboza kakabon, ok, en tout cas, nous sommes fatigués de faire des prolongations en prolongation. Mais vous n'êtes pas rigide. Et c'est là où nous disons, le pouvoir parlementaire là, ne s'impose pas. Nous sommes en train d'accompagner le gouvernement. Le pouvoir parlementaire ne s'impose pas. Ok, nous allons faire ça. Ok, bon, on prolonge pour 15 jours. Je vous assure encore une fois de plus. Kamere Ndenga Lobi Boye, tant que nous avons sollicité le prolongement, et je crois que ça sera parce que le 15 décembre, il devrait en principe entrer à congé. Je crois même Kalate, il faut voir clôturer la session à septembre. Et ça a été 3 mois. Septembre, novembre, octobre. Septembre, novembre, octobre. Comment est-ce que j'ai dit? Septembre, octobre, novembre, décembre. Et donc, c'est en novembre, en principe, qu'il faut Bakanga, parce que ça a été 3 mois. Ils sont en train justement de se préparer pour clôturer session au septembre. Tant que vous kende, session à septembre, généralement, c'est la session budgétaire. Maintenant, ce qui va accueillir, c'est le gouvernement qui va commencer à prolonger encore sans se poser la question. Et vous voulez changer la constitution pendant que nous avons encore l'état de siège. Ce qui va précipiter l'état de siège, vous savez, le peuple congolais va comprendre que non. Parce que Bolingi, Bosala, Likambwako, tout ça c'est de la cacophonie. Donc même référendum ango ekozala na sens mon côté. Parce que ekozala ka likambuneti tozala kia wananani na ba élection. Nous pourrons faire encore ce référendum là pour 4-5 jours. Il faut déployer le matériel, il faut faire ceci. C'est tout. Nous allons recommencer encore les histoires, Bande Konangai. Il faudrait encore pomper de l'argent de la CENI. Il faut trouver un bon gobo. Donc, vous voyez que nous avions shift dans l'objectif Otomi Pesaki pour 5 ans, il y a deuxième mandat. On n'en connaît même plus, on n'en parle même plus. Je vous rappelle même que le projet de 145 territoires n'a jamais été repris. Quand il y a quelque part, il y a un budget, il y a l'année précédente, et ça l'a caté. Et donc, nous naviguons à vie. Nous avons habité place aux Okende. Nous ne savons pas exactement quelle est l'idée générale de nos dirigeants aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils voudraient
achever à la fin de leur mandat. C'est quand ça leur vient à l'esprit que non, il faut construire un pont qu'ils vont le faire. C'est quand il s'agit de savoir, oh non, il faudrait faire ceci, que basali en haut. Mais dans leur essence, que tes sens, quand il y a un programme, ils ne savent pas exactement là où ils sont en train de mener le pays. Donc, Bandeko, c'est ça justement le malheur que nous avons, avoir des innovistes, des novices, des gens qui ne savent pas. Et qu'est-ce qu'ils ont à la table, Bandeko? Et nous, comment couper la différence que je voudrais ouvrir ici avec Kabila, c'était quoi? Kabila, c'était un bon élève. Kabila a appris et il continuait à apprendre et jusqu'aujourd'hui, il continuait à apprendre. Et ça n'est pas jouisseur, c'est fini. Ils ne songent pas à leur progéniture. C'est comme cela que je me suis en train de me poser comme question. Est-ce que Félix Aza Koyeba Keno, Aza éternel, est-ce que tous ceux qui entourent Félix pensent-ils que le balou va selon éternel pour que tu vas conserver le pouvoir parce que pouvoir nabiso. C'est leur pouvoir et ça tourne à Bango. Est-ce que avions-nous été créés pour que nous puissions régner et puis laisser le désordre? Quel est l'idéal là de cette groupuscule des gens qui sont tout autour du président de la République? Idéal na Bango Zanini Bande Konangaï. Idéal les amabumuna Bango ou bien que laisser notre pays se diriger. Tiens, institution Moko Oyo, qui va prendre le temps? C'est-à-dire que ceux qui botongi route moko, vous botongi ango pour 100 ans, botongi ango pour 50 ans. Ne venez pas, bobanda kopakola biso mafuta ngulu, et puis après demain botali, comment est-ce que les routes sont détruites par les érosions? Babilo kwebele, bele zako kende, on ne sait pas exactement, est-ce que tozo tongamboka oyo? Pour l'avenir et à Bana Nabiso, ou bien tous autres Kendekaka pour Nabiso Moko? C'est la question que je continue à me poser là. Qu'est-ce que nous faisons avec notre République démocratique du Congo? Et là, on a dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit. Ce qui peut nous sauver, il n'y a que l'article 64. Mais, n'a même côté opposition, les gens commencent à se fatiguer. On arrête d'élire ces sangs. Ça, c'est la confirmation, encore une fois de plus, que Boyebi et Lokobozo salaté. Est-ce que c'est un état de droit? Est-ce que Zali Nini, Makamu Nini Angoboe, Pona Nini Bande Konangai? C'est quoi le problème? Bozot me mambo kawapi. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Et tout ça, ces questions, moi je les pose ici pour vous amener aussi à réfléchir comme moi. Parce que la solution que nous nous proposons ici pour l'instant, c'est que le président de la République devrait se mettre un peu à l'écart à étudier. Qu'est-ce qui se passe? Sommes-nous en train de copier ce qui se passe ailleurs? Ce qui se passe ailleurs, c'est dans un contexte bien donné, bien déterminé, qui est différent de chez nous. Le Gabon a changé la constitution et puis, bazokende na référendum na fin du mois, Oyo. Mais le Gabon, c'est un petit pays. Le Gabon, il y a des Gabonais qui ont des cartes d'identité. On ne songe même pas de la priorité. Priorité Nabiso Zanini. Pour la Moka Nabiso Ebonga, priorité Zanini. Est-ce que ça Kotonga Arena? Est-ce que ça projet à 145 territoires? Est-ce que ça modification à constitution Nabiso? Quelle est la priorité de notre pays? Et moi, je pense que la priorité devrait être la réorganisation de l'État congolais. Selon cette constitution que nous avons aujourd'hui. Et là, qu'on y n'est pas empêché. Si ce n'est que
gloutonnerie na biso kaka ya koloba ke non mbongo 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 parce que en République démocratique du Congo c'est l'argent, on ne parle pas du travail mais on parle de qui a pris quoi, il a fait avec quoi. Nani azwa ki nini, asala ki nango nini, aiba ki combien. C'est tout ça qui nous intéresse. Nous venons, nous sommes aussi les agents de l'État, nous n'avons pas touché tout ça. C'est tout ce qui intéresse. Mais qu'est-ce que l'État a fait? Est-ce que l'État existe? Le travail que l'État fait pour la population, on peut l'évaluer. On ne se pose pas cette question-là. Kakambongo, Tofutama Kité, nous travaillons, nous avions fait ceci, on n'a pas donné. Et tout ça, c'est la rétribution de l'argent qui est une priorité. Comment est-ce que Biso Mbokana Biso t'aurait distribué à Bakambongo? Les gens parlent tout simplement de l'argent. C'est ça qui est la priorité en République démocratique du Congo. Voilà la réponse que moi je suis arrivé à la fin en disant en République démocratique du Congo, ce qui est prioritaire, c'est que les gens aient l'argent. Nani angwaza na mbongo. Mbongo toza ko distribuer ango nene nini. Totali musala te. La priorité c'est l'argent. Mais même si nous avons tout cet argent là du monde, mais si nous n'avons pas un plan directeur pour travailler, nous serons toujours des malheureux. Et ko simba te, yango ne mute ko bongisa mboka na biso te. C'est pas l'argent qui va construire les ponts, c'est les... Ce sont les projets qui sont mis en exécution dans un ordre donné qui produiront des effets. Mais mbongo, atato pesi entreprise, mokobo, eko, bako sala, il sou frappe, puis ça, la priorité, elle est où? Et quelle est la priorité que nous devons faire en République démocratique du Congo si ce n'est que être à mesure, être conscient que le Congo ne vaut pas un pincement d'or si l'État n'est pas au-dessus de tout le monde et que l'État fonctionne normalement. Nous devons avoir ça en tête. C'est ça que nous devons courir derrière. Comment est-ce que nous pouvons stabiliser l'État pour que misala oezo salema et salema bien et que nasuka na yango et puis nous pouvons faire les résultats. Tant que l'État ne fonctionne pas, tant que l'État ne maîtrise pas ses employés, ça ne va pas. Et c'est là que nous avions intervenu en disant la rétrocession du pouvoir au niveau de la base, le schéma était de convoquer un état de lieu de chaque territoire où le peuple congolais va commencer à se poser les questions directes, principales. Ninyango et Salemi Awa, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que c'est un problème de la constitution? Et là, on est bloqué dans le territoire. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation ici? Et que, tout le temps, on va dans le chemin de la que non. Les objectifs de ces états de lieux seraient tout simplement des objectifs. Réfléchir sur une nouvelle cas et une nouvelle constitution, c'est-à-dire la 4e République. Et puis l'identification de la population. Et puis former maintenant des assemblées territoriales qui vont s'occuper de ces tasques-là. Et tout comme on a 12 mois, tout évaluer l'Ikamwango. Parce que dans 12 mois, nous pouvons déjà dégager que Batou va s'approprier na banane, na mabele, na bango. Et nous connaissons le nombre des habitants que nous avons. Et nous sommes capables de taire tous ces petits conflits qui découlent, qui viennent. De ce problème-là d'identitaire que nous avons. Moi, je crois que c'est ça la priorité qui devrait être du président de la République à refaire fonctionner l'État congolais qui ne fonctionne plus. Voilà, mes chers amis, là où nous allons nous arrêter aujourd'hui. J'espère quand même que vous aviez pigé quelque chose. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-ci, abonnez-vous. Parce que la prochaine fois que vous nous verrez, nous expliquerons la rétrocession du pouvoir au niveau de la base, comment elle peut être effective et comment elle peut sauver le Congo. Nous allons saluer encore beaucoup plus les ennemis qui sont à Bangui. Il y a quelqu'un qui m'a appelé de Bangui. Je voulais vraiment... c'était près que j'oublie.
Mais merci pour la lettre, merci pour le colis que tu as envoyé. C'est bien arrivé, en tout cas, c'est ça. Bwanande babenga kabolingo. Colis est comme acquis bien. Et nous sommes en train de voir comment est-ce que nous allons passer à un autre niveau dans notre émission pour que les suggestions que tu nous as données, en tout cas, nous les accueillons avec beaucoup plus d'amour. Alors, merci beaucoup. Donc, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro.